C'est quoi ton style de mec? Attendez. Ok, entre moi et Bijou, tu aimes qui le plus? Tout le monde, je vous bien sur ce coup nouvelle vidéo. Oh, je vais faire une vidéo avec ma soeur là. Bonjour tout le monde. Dis yo tout le monde. Ok, c'est bon. Yo tout le monde. Ok, c'est bon, c'est bon. T'as bientôt fini là, non? Ok, vas-y, fini là. Le but de la vidéo aujourd'hui est que je pose des questions à ma soeur. Il y a quelques jours là, j'ai écrit dans la communauté YouTube là. J'ai écrit exactement balancer des questions que je peux poser à ma soeur. Je vais faire apparaître quelque part ici là et il y en a qui ont écrit dans les commentaires quelques questions là. Donc là, c'est ça que je vais poser à ma soeur. Et je vais tout lui poser. Je vais pas skipper des questions. Non. 100% transparent. On va tout demander à ma soeur et voilà quoi. T'es prêt? Ouais. Est-ce que tu penses que les questions sont limite ou? Moi, je trouve qu'elles sont récentes. Tu les as lues? Non. Et comment tu sais que les questions sont limites ou non? J'ai dit, ben, tu m'as posé une question, j'ai dit peut-être que oui, et les gens... Okay. Est-ce qu'il y a un certain niveau que tu veux que je n'atteigne pas, ou bien je peux poser n'importe quelle question? Pose n'importe quelle question, et je vais réfléchir à si je réponds pas. Ok. Bon. T'es prête ou pas? Oui. Ok, finis de boire là, après ils vont pas te regarder en train de boire. Je te pose une question, tu fais comme ça. Non, mais je bois un peu là, mais pose la question. Tu poses? Ok. Ouais. Première question. Caleb Mavungu, il a demandé, est-ce que tu as déjà dragué? D'accord. Est-ce que j'ai... Est-ce que t'as déjà dragué? Comment est-ce que t'as déjà dragué un gars? Non, pas encore. T'es sûr? Ouais. Pourquoi t'as commencé à rire? Non, parce que je suis gênée. Je suis gênée. Ouais. Pas encore. Je suis gênée. T'as jamais dragué un gars? T'as jamais écrit un gars, parlé à un gars en vraie vie? Comme... Non, je suis gênée. Les seuls gars à qui je parle, c'est mes amis là. Ok. C'est intéressant. Ensuite de ça, quelqu'un a demandé. Entre toi et ton frère, c'est qui qu'elle aime le plus? Ok, entre moi et Bijou, tu aimes qui le plus? Je préfère ne pas répondre à ces questions. Non, repose-y, honnêtement, 100%. Moi, ça me dérange même pas. Alors. Bijou. Wow! Oh! Monte. Bye, c'est bon, on a fini. Bye. Ok, non, attends. Comment tu dis Bijou comme ça alors que c'est ma vidéo, frère? Je m'en fous. Mais frère, genre, c'est quoi ton problème? Tu crois que c'est Bijou ton plus préféré? Bah oui. What the fuck? Pourquoi? Parce que là, je disais, le budget est vraiment chaud. Si, hein? c'est moi. Bon, qui est ton frère sérieux, préféré? Qui est ton frère préféré? T'es sérieux là? Qui est ton frère préféré? Junior. Ouais, c'est ça. Ok, c'est cool. Ok, au moins, Bijou, il va pas entendre ça. Ok. Une question de Josué. C'est quoi ton style de mec? Attendez. J'ai pas vraiment de style. C'est juste que s'il est plus grand que moi, c'est correct. J'ai pas vraiment... Comment ça, plus gros que toi? Ben, regarde, je suis déjà petit de base, comme je fais 5 pieds 4, genre. Comme je fais comme 1m64, genre, alors je suis déjà petit de base. Alors si, et même si je fais 1m70, c'est correct. C'est un mec avec qui je peux bien parler, genre. Bien parler et plus grand que toi, c'est ça? Ouais, comme je peux avoir des bonnes discussions avec lui. Le physique m'intéresse pas comme ça, genre, comme juste plus gros que moi. Belle réponse. Toi qui es gentil. Ok, belle réponse. Prochaine question de Jean-Sébastien Stillion. Quel est ton dessin animé préféré quand tu étais enfant? Oh, ça fait tellement longtemps, mais c'est pas vraiment un dessin animé, c'était comme le 1, 2, 3 géants, Kaboom, les trucs comme ça quand j'étais enfant. Les trucs québécois quoi. Ouais. Et c'est pas écrit, mais on va aller dans la même direction. Je sais que tu regardes beaucoup d'animés, de mangas et tout ça. Qu'est-ce que tu préfères entre One Piece et Naruto? Ben One Piece, boss. One Piece? Pas Naruto? Naruto j'aime bien, mais le fandom est des fois chiant que... Et aussi comment ils disent Sakura d'une façon... Comme Sakura c'est mon personnage préféré. Alors, comment il déteste Sakura, ça me... C'est ça, Sakura, c'est genre une des meilleures personnages. Comme, il la comprend pas. Je sais qu'au début, il était chiante, mais ça a amélioré. Ils disent qu'elle est toujours inutile. Genre, sans elle, Naruto serait mort. C'est ça. Oh, comment vrai, je n'ai pas regardé Naruto, mais... Je sais, tu fais genre... Parce que Non. J'ai commencé, mais après, j'ai arrêté pour continuer One Piece. Et One Piece, c'est très long. Donc là, je suis bientôt à jouer à One Piece et ensuite de ça, quand je vais finir ça, je vais aller à Attack on Titan, Death Note et tout ça là. C'est cool, hein? On écrit un nom, boum! Bon. J'ai vu des petits extraits là, ça a l'air cool. Je vais peut-être regarder ça en live même. Ouais. Le live action? Non. Regardez en faisant un live. Ah, c'est pas, ton délire. C'est pas ce quoi, live Twitch. Ensuite, prochaine question est, es-tu en couple? Non, je suis pas en couple. Pourquoi tu souris? Attends, t'es sauf des questions, c'est toi qui pose. Tu veux voir? Il s'appelle Josué. C'est moi? Ouais. En couple. Ah, ah, voilà. Et comme c'est moi qui ai posé des questions, frère. Josué est curieux, hein? Non, je suis pas en couple. Il est quoi? Curieux. Il est curieux? Ouais, il a posé deux questions. Style de mec en couple. Hé, hey, Josué, pourquoi tu commences ça? Non, mais je lui ai pensé, là. Frère, Josué! Josué!
non. Dans mon bureau, sorcier. Non, je ne suis pas en couple. Non, tu es en couple? Non, est-ce que tu es prête à être en couple? Non. Oh my god, si t'avais dit oui. C'est à cause du basket et tout là, j'ai pas le temps comme ça. Sinon, pas le temps? Ouais, même si je veux pas basket, je crois pas que je suis prête. Yes. Ça m'intéresse pas encore. Yes. Attends, donc. Quand ça me dit yes, je vais dire. Je vais... Ok, donc, tu penses dans combien d'années tu seras prête à être en couple? Honnêtement. 10. Peut-être au CG. Eh? C'est malade, toi, tu veux que j'ai de savoir quel âge? Tu veux pas avoir de neveu? Je comprends pas. Oh. Vers quel âge? Peut-être en 19, 20 ans vraiment. Va à 22 ans à peu près, s'il te plaît. Ouais, 22 ans. Comme j'ai envie de. J'ai surtout envie d'avoir une vie quand même seule, comme voyager, des trucs seuls, genre. Yes! Pas de gars! Si t'as un mec ou tu veux un mec là, tu m'envoies son nom, son adresse et tout, je vais l'analyser, frère. Je vais le scanner comme ça pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines. Et là ensuite, on va voir si tu le valides ou pas. Si t'as un mec, si tu veux un mec, bien t'as les yeux sur un gars. C'est ça qu'il faut que je fasse. Genre, pour de vrai là. Non, non, je ne regarde même pas. Genre, tu me dis son nom, je l'analyse comme ça. Et tout là. Prochaine question. Waouh. Est-ce que t'as un mec? Encore? Ouais. C'est encore Jésus là? Non, c'est une autre personne, elle s'appelle Adja. Non, je n'ai pas de mec comme je l'ai dit. Elle ou il? T'en as? Non, comme non. Je l'ai dit. Ok, est-ce que tu penses à un mec? Parce que là, après, ils vous font que poser ça, donc là, on va continuer à rentrer dans le détail, quoi. Ouais. Waouh. Si je pense. Ben ouais, il y a un qui m'intéresse, mais je suis pas prête. Comme je l'ai dit, je suis pas prête à être en couple. Junior, t'inquiète, je suis pas prête à être en couple. C'est pas de si tôt. T'as dit qu'il y en a un qui t'intéresse? Ouais. Il y en a quoi? Un qui m'intéresse. Quoi? Si vous pleurez là, moi je retourne à mes affaires. Quel est ton voyage de rêve? Je pense que j'ai déjà une idée. Non. C'est pas le Japon? Oh, il y a le Japon, mais... C'est pas ça? Ouais. Tu parles du Japon H24, tu regardes des trucs du Japon, oui, les animés, mais là, mangas. C'était année 2020, là, quand tout le monde était sur les animés. D'abord, je vais aller en Grèce, Italie, Japon, Corée, et après, justement, revenir parler en Afrique, Égypte, des bails comme ça, là. Ah. Comme... Donc là, c'est... C'est ce que j'ai dit, je veux pas être en couple parce que comme pendant ma vingtaine, comme 19 ans jusqu'à 25 ans, je vais être seule, voyager seule, tu vois. Ouais. Après, s'il y a quelqu'un qui m'intéresse, ben ouais. Sinon, ouais, d'abord je vais aller en Grèce. Mais c'est vrai, tout est cher là-bas. Donc, c'est la Grèce ton pays de rêve? Grèce est. Oh. Grèce est beau, j'ai déjà pensé à la Grèce parce que j'ai ouais, vu Grèce des vidéos là. Beau, et aussi... La nuit là, il y a beaucoup de lumière ouais. Et tout, ouais. Mais moi, c'est tout à cause de l'architecture. J'aime l'architecture. Genre les maisons qui sont placées comme ça là? Les maisons et aussi les sculptures des Grecs anciens, genre. Ce qu'on apprend en histoire et tout là. Ouais, les statues et tout là. Ouais. C'est là intéressant. Hein. Les Parthénons d'Athéna, les bails comme ça. Là où les gens se battaient là, les arènes. Oh, ça c'est en Italie. Toi, tu vas à Rome. C'est proche. Oui. C'est pas, non, pour le reste, c'est pas proche. Non, attends, mais Italie, Grèce. La Grèce est ici. Non, l'Italie est ici avec la botte. Et la... Ouais, c'est quand même proche. C'est en Europe, mais c'est pas proche. Tu peux éclairer, c'est comme ça. Non, mais parce que. Continuons. Okay. Mm-hmm. Est-ce qu'un gars a déjà essayé de te draguer? Non. Aucun? Non. Attends. Yeah. Non. Pourquoi tu y as pensé? Juste dis, c'est bon là, frère. Ils sont là pour les questions et tout là. C'était il y a longtemps, hein. Non, personne m'a approché. Ok, j'espère. C'est genre... À part si je suis dingue, mais je comprends. À part si quoi? Donc, si tu t'en rends pas compte? Ouais, à part si je me rends pas. À part si je ne vois pas les signes, mais je crois pas, non? Ok. Et toi, t'as déjà essayé de draguer une fille de ton école? Tu dragues une fille dans mon école? Ouais. Ouais. Combien? Comment ça, combien, frère? Si je vois une fille. Oh, en plus, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu deux filles là. Putain, non, c'est les filles les plus belles de mon école que j'ai vues. Mais je suis pas allé lui parler. Genre, elles étaient deux filles là. Elles étaient comme ça. Amis? Deux amis, je crois. Ouais, elles étaient deux filles là. Elles étaient tellement belles. Qu'est-ce que je devrais faire pour pouvoir l'approcher? Parce que la fille là, elles étaient tellement belles les deux. Putain. Moi, je n'ai aucune technique. Ah. De toute façon, je peux pas demander aux poissons de m'apprendre à pêcher, donc c'est pas grave. Tu dis quoi ça? Est-ce que tu m'insultes là? Non. Oh. Genre, c'est une expression sur internet là, genre. La mer, il y a des poissons dedans. Je suis un poisson alors? T'es pas un poisson, c'est sur internet, c'est genre, c'est une expression genre. Oui, mais tu dis, je vais pas demander aux poissons de m'apprendre à pêcher, donc tu me traites comme. Tu c'est pas un poisson, mais genre, c'est. Oui, je sais, mais est-ce que dans l'histoire, je suis un poisson?
t'es pas un poisson, genre. Tu comprends pas les... C'est genre, t'es non, pas non, un poisson. Je comprends, mais tu dis, je vais pas demander au poisson de m'apprendre à pêcher. Et ton poisson, là, tu me réfères à moi et aux filles. Tu comprends pas, Trésor. Toi oui? Et les filles, je vais faire ça à la beauté. Mais les poissons, c'est une expression, genre, irréelle, au fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je peux pas demander à un écuyer de m'apprendre à écuyer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Passons maintenant. T'as compris ce que je veux dire ou pas? Oui, j'ai compris. Ouais, c'est juste une expression sur Internet. Là. Après, c'est sur YouTube et Instagram. Là. C'est bon, là. T'en fais tout un plat, là. Prochaine question. Qui est ton acteur préféré? What? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je ne regarde de film, là. Oh, tu regardes juste du K-pop, hein? Du K-drama, c'est tout. Même pas. Tu regardes juste du K-drama, arrête de me mentir. Même pas. Non, même pas. Tu peux regarder du K-drama? Non. Attends. Tu regardes du K-drama? What? Comment ça, non? Tout ce que tu regardes sur ton téléphone là, c'est pas K-drama ça? Non, je suis sur Wattpad. Wattpad et K-drama, mon pas. K-drama. Animé. Non, drama K. Comme les K-drama là. C'est ça que tu regardes, non? T'as jamais regardé ça? Mais ouais, j'ai regardé ça de temps en temps. Mais pas tout le temps. Arrête avec cet accent. Sinon, tu pars. Ok, non, c'est ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà. Ok, donc t'as pas d'acteur préféré? C'est dur à dire, mais si je dois dire ça comme ça. Je veux dire, j'ai oublié son nom, mais c'est un acteur avec K-drama, mais j'ai oublié son nom. Voilà, K-drama encore. C'est un DJ, True Beauty. Je sais pas de quoi tu parles. Mais il est beau. Bon, passons. Ah, ok, cool. Quel est ton artiste préféré? Qui est ton artiste, pas quel? Artiste comme peinture ou artiste comme chanson? Chanson. Mais tu veux dire les deux. Allez, vas-y, commence par la chanson. Chanson... J'imagine que c'est BTS. Non, je sais ça, que non? Ça. Je sais que c'est ça. Non, non. C'est ça? Actually, si c'est un K-pop, ça doit être Twice. Mais Twice c'est BTS. Yeah. Ouais, Twice c'est BTS, si c'est un K-pop. Sinon, en général, c'est vraiment, je dirais, Summer Walker. Il y a elle et Brent Fayez. Je sais pas comment prononcer son nom, ah, mais lui. T'as dit quoi, Brent Fayez? Je sais pas comment prononcer son nom, mais regardez, je suis une Française, c'est pas. Brent Fayez. Brent Fayez. Ok, merci. Je suis Française, c'est pas, justement. C'est ça, les deux, parce que j'aime bien leur musique et leurs paroles sont vraiment intéressantes. Ouais. C'est une artiste. I got too many hopes, but it ain't you. I'm already not any more. J'ai même, je peux avoir la même voix que lui. Non, non, thank you. We can. I got too many hopes. But then you. Ok, c'est bon. C'est qui ton artiste là? Dessine maintenant. Artiste? Piccolo? Picasso, des 1. Picasso, vas-y, c'est qui ton préféré? Je dirais Murakami. Je sais pas si c'est vraiment. C'est qui ça? Murakami, un artiste. Il est pas récent, mais il est encore en vie, on peut dire. Et il fait vraiment les œuvres quand même colorées et puis tout là. Ok. Comme... Murakami. Je sais pas. Ouais, je crois que c'est Murakami. Je connais pas. Okay. Tu vas connaître plus tard. Bon, continuons. Ok, c'est cool. Est-ce que tu comptes créer une chaîne YouTube ou t'en as déjà créé une? J'en ai déjà créé une et j'avais fait une vidéo, je me rappelle j'ai 90 vues un bail comme ça. T'as fait quelle vidéo? Quel genre de vidéo? C'est une vidéo genre sur les baby hair, mais j'ai même pas arrivé à plaquer mes baby hair. Parce que toi j'ai les cheveux vraiment... Oh, les cheveux de quoi? Ah ouais. T'as fait un tuto genre? Ouais, je pense sur secondaire 1, mais le pire c'est qu'il y avait la musique dessus, personne entendait, comme mes amis Oh my god, c'était catastrophique. Ah. Et le pire, c'est que les baby hair, ça collait même pas parce que c'était pas du gel de 1. Et de 2, mes cheveux, ils ont pas. Ils peuvent pas plaquer là. Il faut que je les mise. Et t'as supprimé la vidéo? Moi, j'ai supprimé. Mais okay. J'ai encore le compte. J'ai loqué envie de faire une chaîne YouTube aussi. T'as envie de faire une chaîne? Ouais. Ça fait quoi sur ta chaîne si tu fais une chaîne? C'est surtout des vlogs, genre vlogs sur ma vie sportive, si je suis au cégep, des vlogs sur la vie en général. Okay. Comme c'est quand je vais à la bibliothèque pour réviser, attends, cuisiner. Mais tu vois, est-ce que comme aller à la bibliothèque, c'est vlogger, aller à la bibliothèque, c'est intéressant ça? Genre, est-ce que les gens vont vouloir regarder ça? Mais il y a des gens vraiment, comme il y a des gens, je sais pas. Comme tu mets ta caméra comme ça, t'es à la bibliothèque, les gens. Ouais, quand toi c'est en face, comme juste montrer une journée dans ma vie, genre. Ah. Il y a des gens vraiment, ils aiment aller à la bibliothèque juste pour chiller des pailles comme ça. Moi, je vais pas avoir, genre, je vais faire une vidéo où je vais à la bibliothèque. Est-ce que ça m'intéresse? Genre, what? Non, mais comme tu vois, genre, je vais à la bibliothèque, je m'assois comme ça. En rapide là. Comme tu mets ça dans ta vidéo, après tu mets une autre vidéo où t'es en train de manger, une autre où t'es en train de cuisiner, parce que j'aime cuisiner aussi. Ok, ouais, j'apprends à faire la pâtisserie. Ah, je vois. Ok. Ok, c'est cool. Donc, voilà. Like, abonne-toi, c'est pourquoi j'ai fait. Et peace pour nos vidéos. Tu veux dire ton Instagram ou quelque chose comme ça? Je sais pas, déjà dit. Vas-y, dis encore si tu veux. Mon Instagram est MA.